dans la phase de réalisation, il y avait la partie médiathèque. Dans la médiathèque, qui a été conçue par toute l'équipe, il y avait vraiment de tous les genres. Là. On avait des vidéos, on avait des lectures à faire, il y avait des balados. Fait que les enfants naviguaient dans ça. Puis après ça, ils allaient consigner dans le cahier de l'élève qu'est-ce qu'ils avaient trouvé d'intéressant, quel qu'ils voulaient garder, leur coup de cœur. C'était vraiment intéressant pour eux autres. Là. Puis même, on avait mis au tableau une section « Bon, ben moi, je te conseille d'aller voir ça, je te conseille d'aller voir ça. » Et après ça, on a fait un beau partage, là, parce qu'on ne peut pas aller tout voir, parce qu'elle est quand même assez riche, la médiathèque. Là. Les élèves avaient plusieurs références. Où est-ce que ça permet de réseaux sociaux? Où est-ce qu'on parlait de conseils aussi? Fait que par la suite, avec la médiathèque, ce qu'on a fait, les élèves avaient lu, avaient ou écouté, ou peu importe, là, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Pour faire le partage, on a voulu faire les choses autrement. Alors, on a pris un dé. Que vous savez différent, ils tournaient le dé, puis à ce moment-là, il y avait une petite question, puis en équipe, ils répondaient à la petite question ensemble. Fait que ça faisait varier la façon d'animer les choses. Ils étaient en équipe de quatre, puis ils parlaient de la lecture. Fait que il y avait des 6 questions différentes qui leur permettaient d'échanger sur le sujet. Quelle information vous a le plus étonné? Qu'est-ce qui vous a étonné le plus, Léa? L'impact de tout ça, ça a été que... Il y avait le goût après ça, ils ont dit hey, « quand tu auras le temps, là, tu iras voir telle vidéo, hein, c'était pas pire, ils parlaient de ça. » Puis surtout mes petits gamers, là, il y avait des choses intéressantes pour eux. Là. Fait que, ils disaient va voir tel YouTuber, là, il en parle là. » Puis « Hey, je savais pas ça, non, c'est apporté, non, c'était le fun, c'était très, très, très positif pour les élèves. » Les retombées, c'est aussi de découvrir qu'il y a plusieurs sources d'informations que je peux trouver ici. Là, on parle de marge, mais ils ont eu accès à un Padlet aussi qui leur a permis d'avoir des ressources variées. Donc, c'est quoi un balado? C'est quoi un livre numérique? C'est quoi un recueil numérique? Il y a différentes sources avec lesquelles ils ont été familiarisés qui vont leur permettre aussi de savoir que ces ressources-là existent et cette façon-là d'aller chercher de l'information est possible aussi. C'était très bien, mais il a fallu un peu que je les dirige, parce que sinon, ils seraient juste allés voir des vidéos. Fait que je devais exiger, disons, bon, ben moi, je veux que tu aies fait une lecture, je veux que tu ailles voir. Il a vraiment fallu que je donne des directives, parce que sinon, ça allait dans tous les sens. Puis avant de noter, ils disaient, ben là, je regarde tout ce qui m'intéresse, puis après, je vais noter. Non, 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 bon, on fonctionne pas comme ça. Je veux que tu me notes, tu regardes une, tu me mets ton impression, même si tu ne l'as pas aimé, avant de poursuivre et d'aller voir. Parce que sinon, il écoutait un petit morceau, oh, ça a l'air plate, ça, fait que je ne le prendrai pas. Fait que là, il allait voir un autre. Fait que ça a vraiment fallu varier un peu, sinon, on aurait été toutes dans la même direction. Là.